Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir à tous. Vous êtes tous et toutes donc les bienvenus à cette soirée très culturelle, je dirais très littéraire. Une soirée de présentation de deux œuvres poétiques de l'écrivain M. Nimrod. Il s'agit de Petit éloge de la lumière nature, paru chez Obsidian en 2020. Ainsi que Sur les berges du Chari, district nord de la beauté, paru chez Bruno Doucet en 2016. En fait, c'est un dialogue littéraire qui entre dans la célébration de la semaine de la francophonie, naturellement. Voici comment s'articule notre rencontre de ce soir. Premièrement, je vais présenter sommairement la bibliographie de M. Nimrod. Ensuite, je vais donner la parole à M. Nimrod pour nous présenter de façon sommaire aussi les deux recueils de poèmes. Ensuite, donc, viendra la phase des questions-réponses. Certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà lu. Donc, vous aurez beaucoup de questions à poser. Si le principe est acquis, je voudrais donc avoir l'insigne honneur de présenter cette grande figure de la littérature tchadienne, un monsieur que j'ai connu que dans les livres. Et voilà que l'IFT me permet, me donne l'occasion de le rencontrer face à face. C'est un grand plaisir. Voilà. Alors, M. Nimrod, de son vrai nom, de son nom complet, donc Bena Djanran Nimrod, il est poète, essayiste, romancier, animateur de revue. Il est né donc au Tchad en 1959. Et il vit en France depuis bientôt 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, merci. C'est un philosophe de formation. Voilà, M. Nimrod est l'auteur de plusieurs romans publiés chez Actes Sud, notamment Les Jambes d'Alice, que nous avons beaucoup aimé à l'école, publié en 2001. Le Départ, publié en 2005. Le Bal des Princes, publié en 2008. Un balcon sur l'Algérois, publié en 2013. Tout cela a été donc distingué par plusieurs prix littéraires, que je n'aimerais pas revenir là-dessus. En 2016, M. Nimrod a publié aux éditions Bruno Doucet « Sur les berges du Chari, district nord de la beauté », un recueil de poèmes donc couronné par le prix Pierrette Michelot. En 2017, paraît chez le même éditeur son roman « L'enfant n'est pas mort » et « J'aurai un royaume en bois flotté », anthologie personnelle, 1989-2016, chez Gallimard. Chez le même éditeur paraît son roman « La traversée de Montparnasse » en février 2020. « Petit éloge de la lumière nature » est publié donc aux éditions Obsidian, comme je venais de le dire, en 2021, et lequel recueil de poésie donc obtient le prix Guillaume Apollinaire aussi en 2020. Ce n'est qu'une bibliographie sommaire parce que c'est l'écrivain le plus prolixe que je puisse connaître ici au Tchad. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages. Voilà. Voilà ce qui est fait. Sans transition, j'aimerais bien entendu remettre donc le micro à notre illustre écrivain, M. Nimrod, pour nous présenter les deux œuvre poétique. Je vous remercie infiniment et je remercie surtout monsieur l'ambassadeur qui a été d'une certaine manière et même d'une façon certaine à la base de ce voyage parce que j'ai tergiversé beaucoup. Monsieur le directeur de l'Institut, et c'est vraiment un immense plaisir d'être là. L'autre plaisir aussi, c'est de vous voir aussi nombreux. Par des voix m'arrivait le fait que... on me voit ici, on me voit là, je dis, ah bon, mais comme je ne suis pas sur place, je ne peux absolument rien dire.
Donc, notre système téléphonique, avant c'était par le Saint-Esprit, mais aujourd'hui ça se fait par ça. C'est vraiment remarquable. Je fais des ateliers d'écriture depuis hier avec quelques jeunes gens et jeunes filles. Je leur donne toujours ce conseil. C'est très, très piégeux d'écrire ici chez nous. Parce que les gens prennent un livre comme une carte de visite. Un livre n'est pas une carte de visite. Un livre n'est pas non plus quelque chose pour qu'on te reconnaisse dans ton village. Ça ne sert à rien. Absolument rien. Donc, vous mettez vos noms complets dessus pour qu'on sache vraiment où vous... Mais non, ce que nous appelons Balzac et machin, ce n'est pas leur nom. Vous comprenez? C'est même. On le comprend très très facilement quand c'est un chanteur. Quand un chanteur prend un nom comme ça, étranger. Oh oui. Nimrod, on me demande, mais quel est ton nom complet? Je dis, je m'en fous de mon nom complet. Ça n'a rien à voir. Parce que cette personne qui écrit, en fait, ce n'est pas l'être social, parce que. L'être social, je suis exactement comme vous. Mais ce truc-là, quand je commence à y travailler, alors je suis vraiment une autre personne. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Hein. Sans cela, je suis exactement comme vous. Je ne vaux pas mieux, je ne vaux pas plus. Voilà. Et j'ai proposé donc de présenter ces deux ouvrages. D'abord, exactement pour faire plaisir, et c'est ce que je n'avais pas terminé mon développement, mais ce plaisir-là, c'est. Tu deviens écrivain, tu es notre grand chanteur. Et quand les gens commencent à vous voir comme ça dans le domaine de l'art, vous commencez à vous assoupir parce que vraiment vous vous croyez quelqu'un. Hein, nous autres qui vivons en exil, qui sait que je suis un écrivain? Surtout en France. Les Français, ils sont très très désinvoltes. Je ne dis pas ce que vous avez ici, ce qu'ils sont là-bas. Ce n'est qu'un noir. Ça, c'est vraiment, ça vous met au bon niveau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je vous conseille. Faites un pas à l'extérieur, si vous voulez vraiment, surtout un pays aussi dur comme le nôtre. C'est quand on est à distance qu'on voit mieux, qu'on sent mieux, qu'on peut bien faire les choses. Hein. Je tiens vraiment à le dire ici, puisque c'est quand même quelque chose pour une grande écoute. J'espère que ça tombera dans quelques oreilles de ceux qui veulent taquiner les arts et les lettres. Sur les berges du Chari, district nord de la beauté, sur les berges du Chari, ça vous comprenez sans problème. N'Djamena est au bord du Chari. Pourquoi district nord de la beauté? En principe, nous avons hérité de la France en découpant le territoire en préfectures, en sous-préfectures, en cantons, ainsi de suite. Dans les pays fédéraux en général et anglo-saxons, c'est plutôt en district. Mais ce n'est pas de là que j'ai trouvé mon idée. J'ai trouvé mon idée dans la poésie ancienne chinoise. Hein? Les empereurs, les grands empereurs chinois, avaient au-dessus des districts quelques rois. Et l'empereur qui vient les couronner. Et ça aussi, c'est un conseil très très intéressant aux jeunes. Si vous voulez écrire, il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se fait dans le monde. Et c'est ce district nord de la beauté, vous voyez bien le déplacement. Le territoire ici devient celui de la beauté, c'est-à-dire de l'esthétique. Hein, vous comprenez? Quand. Notre formation scolaire et universitaire, c'est toujours quel est le message du livre? Mais un livre n'a jamais de message. C'est une idée affreuse pour vous faire écrire, tout simplement, et vous l'avez gardé. Ah, quel est le message de votre livre? Mais non, il n'y en a aucun.
Hein? Il n'y a pas de message dans un livre. Mais or, toute votre formation, c'est ça. Hein? On vous a appris à... On cherche le message du livre, non. Et donc, c'est à la fois un hommage à notre terre, à notre grand fleuve, et un hommage clandestinement de la poésie chinoise, parce que la dernière partie de ce recueil, je fais de sorte de haïku. Le haïku, vous savez bien que ce n'est pas chinois, c'est plutôt japonais, mais tout le Japon, la culture du Japon vient de Chine, ça, c'est ce que vous ne savez pas aussi. Donc, c'est ça, il faut être savant sans l'être. Là, je parle très, très savamment, mais quand j'écris, il ne faut pas qu'il y ait cette savanterie. J'invente le mot, ça n'existe pas, savanterie. Bon. Donc, voilà. Et pour clôturer cette petite présentation comme ça, je vais vous lire le fragment qui donne justement son titre à ce recueil, et ce ne sera pas long. Et ça aussi, il faut être de mon âge un peu. C'est-à-dire avoir au moins 60 ans. Parce que là où il y a notre présidence, c'était le bac qu'on prenait pour aller à Kousséri. Et le poème que je vais vous lire s'appelle Le bac. Je parle de ces bacs-là où on voit la confluence du Chari et du Logone, la presqu'île de Ngoumna, n'est-ce pas? C'est de cela que je parle. Et nous autres qui étions à Chagua, il y avait aussi un autre bac à Chagua. Hein? Tout ça pour vous, je vous raconte du charabia, quoi. C'était comme ça. C'était comme ça. Ce pays, il était organisé comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque de ma jeunesse, N'Djamena avait juste 200 000 habitants. Maintenant, c'est combien? 3 millions? Donc, vous vous rendez compte que ce n'est plus le même pays, hein, en vérité. Donc, voilà. Le bac. L'hippopotame, les Grecs l'appelaient cheval du fleuve. Ils pensaient, tout cheval de trait, peut-être, c'est audacieux. Quand j'étais môme, les vaches, leurs sœurs lointaines, traversaient craintives le Chari. Mon jeune regard mesurait la soie de leurs robes au débit du fleuve. De bord à bord, j'étais dépassé. L'infini nageait à leur encolure. Quel mot plus doux que celui-là qui exporte son âme dans ses corps à la dérive. Nuageuse, nageuse pleine d'angoisse, profileuse des courants qui accusent déjà le lac Tchad, elles flottent stupéfaites. Elles ont inventé un bac plus que probatoire. Et les maisons de Pisée ont fondu, et les routes et l'horizon pleins de satiété. Seule la présidence surnage, ce vaisseau amiral qui prolonge jusqu'au ciel son envol. Ce ciel bas, mouillé de juste, qui fait paraître une verdure mordorée. C'est un berger à l'allongée de son bâton. Une fenêtre décourage sa rente. Elle rend au ciel l'azur et l'herbe, la verdure et le rêve. Enfin, le port. C'est un pélican très blanc au fil de l'eau, plus gris, plutôt grise. Il est si obstiné, l'espoir, le petit chose à mes petits yeux. Qui convertissent l'océan de roseaux, la plaine et l'horizon à la pointe de la presqu'île de Ngoumna. C'est la traversée des apparences. Le Chari confirme la géographie du Congo, apprise hier à l'école, s'y fait entendre l'écho du Zambèze, et le bac, maître des liaisons liquides, flotte sur ses rondins comme pour arrêter les lumières du soir et comme pour favoriser l'aube.
Il me reste encore des atomes de rêve sur une matière d'enfance inexplorée. J'arrondis mon angoisse, j'en ai honte. Je pense à ceux qui m'entourent, ils pourraient la voir. J'aime un charme en lui terrible et sauvegardé. Le bac accoste enfin dans la bouse les roseaux et les mimosas aux fleurs roses. Encore le ciel à bâbord, l'infini à lui à jamais dédié, mon cerveau a été lavé à grande eau. La terre liquide m'emporte vers le rivage, il me donne à voir l'infini dans sa rondeur. Ce n'est pas la terre, c'est presque, c'est la presqu'île, tel un mot bien ouvragé, l'horlogerie du temps, son tic-tac, cette monotonie dans la durée et dans la patience, où viennent peser le ciel et l'amour. Voilà. Merci. Alors, je passe au second, si vous permettez, je ferai moins long. Une petite anecdote, quand ce livre est sorti sur Facebook, un compatriote m'interpelle, il dit « Monsieur, votre titre, elle est bizarre, « Petit éloge de la lumière nature ». Enfin, vous êtes écrivain, on ne peut pas écrire comme ça. Je crois qu'il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Et pourtant, j'avais mis à côté que ce n'était pas... La formule ne venait pas de moi, la formule venait d'un très grand poète du 19e siècle français qui s'appelle Arthur Rimbaud. Et même ça, monsieur corrigeait quand même Arthur Rimbaud, et c'était formidable. C'était vraiment formidable. Alors donc, je vous fais entendre ce petit fragment, c'est un petit fragment de Une saison en enfer, d'Arthur Rimbaud. Voilà ce que ça dit. « Enfin, au bonheur, aux raisons, j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécus étincelle d'or de la lumière nature. » Ce passage, quand vous ne l'avez pas sous les yeux, vous ne voyez pas vraiment tout ce que ça charrie. Il dit « J'écartais du ciel l'azur qui est du noir. » Vous voyez ? L'azur, nous le savons, plutôt bleu. Et il dit, j'écartais du ciel l'azur qui est plutôt noir. C'est-à-dire que déjà au 19e siècle, les astronomes savaient que ce qui nous donne cette petite couleur bleue, c'est notre Terre, en fait. Les astronomes, quand ils regardent la Terre d'en dehors, c'est noir. Et on n'avait pas encore l'avion pour aller là-haut. Ça, c'est les belles intuitions poétiques, ça. Ou comme ça, et on croit qu'il fait de la fantaisie, mais c'est la science la plus haute. Et il reste ce qui gêne dans ce titre, c'est le fait que lumière nature, s'il avait fait un adjectif, ça se comprendrait très facilement, la lumière naturelle. Nous le comprenons très très vite. Mais ici, nature est utilisée presque comme un verbe. La lumière qui rend naturelle, qui nature, diront les philosophes. Et c'est ça ce qu'il y a de remarquable. C'est-à-dire que, quel que soit ce que Rimbaud veut nous dire par là, que quelle que soit notre manière d'aborder la lumière, la seule qui vaut la peine, c'est la lumière telle que la nature la produit.
Et pourquoi j'ai pris ce titre, ce fragment-là pour faire le titre de mon ouvrage? J'ai toujours écrit sur la poussière, sur les arbres, sur la pluie. Alors, les Africains, ils font comme ça. Mais enfin, tu ne dénonces personne là-dedans. Mais parce que l'idée scolaire, surtout en Afrique, c'est que la littérature doit dénoncer. Oui, elle peut le faire. Il y a de très très grands modèles. Non, la littérature, ce qu'elle a à faire, c'est comment cette lumière-là nous éclaire, comment nous avons eu l'harmattan ce matin, comment j'ai regardé une telle fille ou comment elle m'a séduit. C'est ça les objets de la littérature, c'est-à-dire le quotidien le plus banal. Voilà. Et ça, je suis revenu toujours à mes fantômes habituels, la poussière, les saisons, les fleurs, les... ce qui n'a strictement aucun intérêt pour les Tchadiens, quoi, si je puis dire. Puis dire. Donc, j'en dirais, mais ça ne mérite pas un aussi grand prix comme le prix Apollinaire. Mais oui, heureusement que je suis en France parce qu'au Tchad, je n'aurai aucun avenir. Donc, voilà. Ça, c'est aussi ce que je dis aux jeunes gens. Aller faire la littérature dans ces grands pays littéraires, un pays comme la France, a au moins 1500 ans de littérature. Ça en impose. Alors que nous n'avons même pas un siècle de littérature. Vous comprenez? C'est comme ça. Et puis, quand vous êtes dans des pays comme ça, vous vous confrontez à des grands. Donc, ça vous excite à essayer aussi de monter. Donc, c'est pour un peu vous donner quelques clés de mon exil. Ce n'est pas par fantaisie. C'est que je veux vraiment faire ce truc-là et je veux bien le faire. Et pour ceux qui dans mon village viennent me dire « Tu es notre honneur », je m'en fous pas mal parce que tous ceux de mon village, ils ne connaissent qu'un seul livre, c'est la Bible. Bon, si j'étais leur honneur, ils commenceraient à étudier de la littérature. Je crois qu'on attendra encore un siècle, peut-être. Donc, vous comprenez, c'est ça, un peu. Nous fonctionnons que sur quelques clichés, et je crois que je ne cherche pas à vous choquer. C'est juste pour vous montrer des petites évidences comme ça qui ne sont pas toujours perçues. Hein? Donc voilà. Et pour terminer, je vous lis juste un petit texte, le texte d'ouverture, et qui a le mérite de répondre peut-être à peu près à vos attentes et aussi à dire ma condition d'exilé. J'ai perdu la langue. J'ai chanté les nuages. L'étoffe pourpre et or qui les chambre le soir. Je maternais ma nostalgie loin de cette mère tant aimée, loin de ses yeux, de son amour, de ce pays dont elle était le suc et le ciel. La langue, surtout la langue, qui me revenait dans de cauchemars, cloué que j'étais dans ces lits d'emprunt et d'exil, cloué que j'étais au fond des nuits chaudes, détrempées, telles des impasses, cette langue maternelle, toujours prise en échec, l'espace nocturne de son échec, l'espace nocturne de mon corps détrempé, les draps détrempés qui revivront au soleil, ce témoin de la langue mère qui revit, utérine vérité de l'enfant prodigue, si prompt à trahir l'intime jouissance, ô langue maternelle, originelle, abyssale. Monsieur Nimrod, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oh, merci. Et
Avant donc de laisser le public poser des questions, s'il y en a, j'en ai une déjà. Merci. Oui. Vous êtes la deuxième personne. Le premier, il est là, assis, Monsieur Boucard. Il m'a émerveillé avec un florilège de diplômes. Je ne sais pas comment il fait pour obtenir tout ça. Je lui ai Oh, mais demandé. parce que il travaille tous les jours. Il n'y a Voilà. pas d'autre secret. Voilà. De la même manière, donc, quel est votre secret de d'écrire autant et d'être distingué partout? Distinguer, on laisse ça. Le prix valent ce qu'ils valent. En fait, je n'écris pas autant. Comme je suis très très laborieux, je n'ai aucun talent pour écrire une phrase juste comme ça. Pour qu'une phrase devienne à peu près lisible, il faut que j'y travaille des années et des années et des années. Ces deux recueils sont en fait des notations que j'ai faites dans les années 90 quand je vivais en Côte d'Ivoire. L'un a été publié en 2016, celui-ci en 2020. C'est-à-dire que ces deux recueils-là, j'y travaille en fait depuis mes 30 ans. J'en ai le double. Voilà. Et quand vous y travaillez, et comme je ne travaille pas que sur un seul aspect, je travaille plusieurs choses, je ne peux jamais travailler sur un seul sur le même chantier 3 semaines d'affilée. Je m'ennuie. Donc je passe à autre chose, ou je passe aux essais, des choses comme ça. Mais comme je suis toujours insatisfait. Mais le fait d'y travailler tous les jours, ce qui fait que au bout d'un certain temps, je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de choses à apporter à ces manuscrits. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous êtes chez un vrai éditeur, entre le temps où vous lui donnez votre manuscrit et où ce livre sort, il y a 9 à 12 mois. Mais comme je travaille toujours sur autre chose, entre-temps, d'autres choses arrivent en maturité. Mais qui ont-ils commencé toujours il y a depuis 30 ans? Vous comprenez? Donc, il arrive que certaines années, que deux textes différents, soit un roman ou un essai, je trouve qu'ils soient publiables. Donc, et comme ça fait cette petite illusion que je travaille tous les jours. Non, c'est que si vous me voyez publier quelque chose, si vous êtes gentil, donnez-moi au moins 5 ans, sinon davantage, pour que cette chose arrive. Mais ce qui fait la constance, c'est le fait de travailler tous les jours. Qu'on me dise qu'il y a la mort aujourd'hui, quelqu'un est mort aujourd'hui ou pas, que j'ai mal au ventre ou pas, que j'ai des soucis d'argent ou pas, la seule médecine qui me permet de tenir, c'est d'écrire. Donc, mais ça aussi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je vis loin. Si j'étais au Tchad, tonton, il me faut de l'argent pour l'ordonnance, un autre pour machin, vous n'y arrivez pas. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pour ça que je vous donne illusion que je suis très très productif, mais non, je sais gérer ma lenteur. Voilà. Et comme je suis suffisamment loin pour que vous m'emmerdiez pas, et même quand vous y arrivez avec ça, je regarde, je t'apprends pas. Voilà, je vous donne tous mes secrets. Voilà. Parce que je suis pas à Chagoua pour qu'il arrive chez moi sans s'annoncer. Ici, il faut au moins il faut quelques millions pour payer son billet d'avion. Et puis, et là, je sais que la barrière se fait tout seul. C'est ça, être un artiste. C'est être très, très égoïste. Très, très égoïste pour être très, très généreux. Hein? Les deux vont ensemble. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, voilà donc Monsieur Nimrod qui est là devant vous. Vous l'avez écouté. Je ne sais pas si au milieu de vous, il y a des questions. Je voudrais, dans un premier temps,
féliciter et remercier la présence de notre compatriote, M. Nimrod, ici parmi nous, et de remercier également son Excellence, l'ambassadeur de France au Tchad, qui a, comme a dit M. Nimrod, grâce à lui, pour les Tchadiens qui ne le connaissent pas, ils auront la chance de le saluer, de le toucher et de parler avec lui. Monsieur Nimrod, vous avez, bon, j'avoue que je vous remercie parce que, comme a dit le journaliste, lorsque mon livre a été sorti, vous étiez l'un des tout premiers à m'envoyer un message qui était très sensible pour moi. Et en fait, ce que vous avez dit, c'est une vérité. Écrire, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous ne pouvez jamais écrire quelque chose, sortir un livre au Tchad. J'avoue que quand un Tchadien écrit un livre sorti au Tchad, je l'acclame et je suis fort intéressé pour aller acheter ce livre. Parce que les conditions auxquelles les gens vivent au Tchad, c'est très difficile d'écrire un livre. Aujourd'hui, suite à votre présentation sur les rives du Chari, c'est vrai, vous avez fait une belle illustration. Nous qui vous connaissons, pour votre information, il m'a enseigné en cinquième. et avoir quelqu'un comme Nimrod, votre enseignant, je suis tenté de vous dire que vous allez tous être littéraires. Parce que je me rappelais, en cinquième déjà, j'ai écrit mon premier poème à Koyom, sur la rive du Zalaï. Absolument. Sur le lac, le Zalaï. Sur le lac du Zalaï. Donc, on était tous littéraires. Et quand il a quitté, je me suis retrouvé un grand scientifique. Et donc, monsieur l'ambassadeur, je pense que le monde universitaire, c'est un monde de tout. Avant de poser ma question, je voudrais tout simplement demander à monsieur Nimrod, ici tous les Tchadiens sont là, il y a des grands littéraires, ils vous écoutent, ils ont envie d'amorcer vos pas. Et amorcer vos pas, ils ne vous rencontreront que dans un milieu universitaire. Aujourd'hui, je ne peux pas être docteur en énergie et rester au ministère du pétrole. Ça me sert à quoi? J'ai gravi tous les échelons du ministère, je suis devenu docteur. Donc, c'est maintenant que je cherche à aller à l'enseignement supérieur pour dispenser mes connaissances à des jeunes Tchadiens et des jeunes étudiants. Félicitations, je ne crois pas que tous les ministres raisonnent comme ça. Et donc, je suis tenté de dire, il faut que vous mettez vos connaissances un peu à travers des voyages, des missions, dans des universités, au niveau des facultés, pour en fait donner un peu un tonus aux jeunes littéraires qui cherchent à amorcer un peu vos pas. Maintenant, dans votre livre, dans votre recueil de poèmes sur le Chari, je n'ai pas tellement vu ça, je n'ai pas lu, j'ai eu tous les autres. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pensé également à ce qui se passe un peu quand vous quittez Chagua, comme vous le dites, dans notre quartier où on était ensemble? Aujourd'hui, vous quittez, à partir du FDAR, vous pouvez traverser Walia à pied, parce que le Chari, c'est vide de ce nom. Donc, en termes de poésie, comment on peut capitaliser ça pour que ça puisse donner un espoir aux jeunes. Merci. Merci, Michel. Michel, vous a révélé que je fus un de ses professeurs autrefois. Et professeur, c'était un grand mot parce que pour tout diplôme, j'avais juste le bac. C'était pas grand-chose. Il y a comme ça des élèves qui vous marquent. Michel, on peut dire que ses enseignants pouvaient avoir le sentiment qu'il peut aller loin parce que
C'est un garçon d'une honnêteté, d'une déférence, cette Mariette qui lui caractérise d'écouter. Et surtout à cet âge, il avait une dizaine d'années, c'est l'âge par excellence où un enfant, s'il n'a pas quelque révolte en lui, il peut tout pomper de ce que ses professeurs lui donnent. Et Michel, c'était ça. Je crois que de tous mes élèves, celui avec lequel on n'a jamais rompu le lien, c'est Michel. Et pour terminer sur une anecdote, les écrivains africains à Paris me traitent d'écrivain français. En fait, ils veulent me dire, Tchadien, qu'est-ce que tu viens fiche là? Si tu avais une Kalachnikov, c'était bien, mais écrivain, ça vaut pas la peine. Donc, la seule manière de me donner quelques stigmates, c'est de me traiter de français. Or, j'ai 31 ans en France, je n'ai jamais demandé la nationalité française. J'ai toujours mon passeport tchadien. Alors que ce n'est pas un passeport facile pour voyager. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de remarquable avec ce passeport. Quand tu le montres, personne ne te soupçonne de l'avoir volé. Comment tu peux voler un passeport, tu as dit, hein? Tu iras où avec ça? Alors, c'est vraiment tranquille. Et j'ai fait le tour du monde avec ces passeports. Si je sortais mes passeports, j'en ai au moins une dizaine comme ça, tamponnés de tous les aéroports du monde. Et avec des anecdotes pas possibles, pour vous donner un dernier, une dernière. Je me trouve en Israël. À l'aéroport Ben Gurion, c'était l'époque où j'enseignais aux États-Unis. La personne est proche du arabe, français, anglais. Cette personne s'appelle Nimrod, parce que Nimrod, c'est un nom juif, donc. Il comprend pas. Et comme il était un peu con, il se met à rire. Alors, je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon passeport, parce que j'ai tous les visas américains, j'ai les visas israéliens. Il comprend, il dit, mais vous vous appelez Nimrod. Je dis, alors, ça pose problème, Nimrod? Alors là, il s'est rendu compte qu'il était à la limite de ce qui ne peut pas se faire. Il dit, monsieur, passez. Donc voilà. C'est comme ça qu'on peut faire la fierté de ce pays, tout simplement, par de petites anecdotes. Je pourrais vous en raconter des tas comme ça sur le passeport tchadien. Je pense que le meilleur témoignage pour les artistes, c'est celui qui vient de leur père. Et j'ai la chance d'avoir entendu quelqu'un comme Alain Wankoo me dire, en parlant avec lui, il me disait, non, mais laisse ton compatriote Nimrod, lui, il est en train de tisser les mots, toujours. Et en Merci. fait, entendre Alain Wankoo dire ça, c'est important, parce que ça veut dire que nous avons un écrivain, un auteur, un artiste qui fait de l'art, du vrai art, c'est-à-dire prendre son temps et tisser chaque mot. Et c'est pas pour rien que que tu fais un livre en 20-25 ans, là où en fait nous avons eu malheureusement la tradition de faire des livres dans ce pays-là, des jeunes écrivains, de faire des livres en 3 mois, 6 mois, très rapidement. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça livre, mais on a un bel exemple avec toi qui signifie que même quand on est grand comme Nimrod, Victor Hugo a fait pris 20 ans, 30 ans pour écrire Les Misérables, Montesquieu, de l'Esprit des Lois, c'est 20 ans. Etc. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens écrivent un livre en 6 mois, en 3 mois. Je me demande ce que c'est. Surtout, et c'est là où j'ai profité pour glisser mon coup de gueule, surtout quand on est dans un pays où l'une des plus grandes bibliothèques est juste à mes côtés ici. Et quand je suis rentré, je vous assure que j'avais la gorge nouée et j'avais envie de pleurer. Parce que je considère, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi ce culot. Je considère que cette bibliothèque-là, et je ne suis pas en train de cracher dans la soupe littéraire dans laquelle j'ai pu manger,
pendant des années et qui a pu faire de moi quelque chose. C'est grâce à cette bibliothèque-là que j'ai lu Tintin, tous les Tintins. Et c'est à partir de là que j'ai eu le goût de la lecture. Donc, nous sommes dans l'une des plus grandes bibliothèques du Tchad qui a permis à 4 à 5 générations de Tchadiens de lire. Ce n'est pas rien, cette bibliothèque-là. Mais quand je viens la trouver comme ça, et c'est une bibliothèque de l'Institut français, un des pays au monde le plus culturellement important au monde. Cette bibliothèque-là, j'espère qu'on va y remédier assez rapidement, n'est ni digne de nous, Tchadiens, et surtout pas de la France qu'elle représente. En tant que francophile, je suis vraiment très dérangé de voir que c'est ça qui représente la France, ce pays merveilleux, en fait, qui nous a quand même donné beaucoup de bien sans faire ma francophilie, permettez-moi. Et donc, j'ai envie quand même de nous dire que nous pouvons capitaliser sur ça pour faire quelque chose de cette bibliothèque-là afin que des Nimrod sortent. Nimrod aurait fini ce livre en 3 mois parce qu'il a fini une bibliothèque, il a pu lire toute une bibliothèque de 300 livres en 3 mois à peu près et ensuite un trimestre pour 600 livres. Je me demande combien de livres il y en a dans cette bibliothèque et regardez le un peu. Oh, c'est parce que tu viens d'ailleurs. Mais non. Donc je m'arrête là, oui. Mais j'ai envie de dire que nous avons la chance d'avoir Nimrod et même si c'est toujours offensant pour toi de dire que tu nous fais honneur, la vérité c'est que tu nous fais honneur puisque tu es l'un des rares quand même qui arrive à nous faire briller du point de vue littéraire. J'ai quelqu'un que j'apprécie énormément qui est ici, aussi qui fait des bonnes choses en tant que musicien. Et j'espère que ce pays sortira grandi par la culture, par l'art, par la littérature et par la musique. Question ? Merci, Brahim. Brahim est juriste de formation. Et en fait, il ne se passionne que pour la littérature. Il est l'un des plus grands attachés de l'un des plus grands festivals de littérature en France et il m'a consacré une émission tout entière et quand je vais dans la ville de Nantes, je me remets toujours entre les mains de Brahim et merci pour ton coup de gueule. Mais alors tu m'as permis, je ne sais pas si je l'avais dit à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que... Il ne s'appelait pas encore l'Institut français, il s'appelait le Centre culturel français. En 69, j'étais là à sa fondation, j'avais 10 ans. Ma première carte bleue, parce que nous autres enfants, le club de petits, la carte était bleue, oui, à peu près un peu plus claire que ta tunique. Hein? Et je me souviens encore du numéro 2589. C'était le numéro que j'avais. Et d'une certaine manière, j'aurais dû commencer par là. Si je suis devenu vraiment écrivain, c'est à cause de cette bibliothèque. Et je le dis, et tu as tout à fait raison, quand tu dis que cette bibliothèque a formé des générations de Tchadiens. Et l'écrivain que je suis est comptable de cela. Et merci beaucoup de que je puisse le dire en quelques mots. C'est juste pour faire écho à la remarque de Brahim. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette réaction. Moi, je suis arrivé ici en septembre 2019. Ce n'était pas Pierre-Hubert Touchard qui était... le directeur de l'Institut, c'était Pierre Muller, que vous avez connu aussi. Bon, je me suis dit, il va y avoir du travail. J'ai été ambassadeur dans plusieurs pays, et pas de pays... la Guinée-Conakry, l'Institut français, remontait à 1999. Je m'en souviens parce que c'est moi qui avais... porté dans un sac à dos la plaque inaugurale en granit des Vosges, sur laquelle il y avait marqué le centre culturel franco-guinéen a été inauguré par, c'était Jacques Chirac qui était le président à l'époque. Je me souviendrai toujours du poids de cette plaque de granit
Bon, après, Brazzaville. Brazzaville, là, pour le coup, un institut, j'ai presque envie de dire, excusez-moi du terme, 5 étoiles. Je connais. En comparaison, vous le connaissez, la beauté du plateau. C'est d'autres contraintes parce qu'il faut pouvoir les entretenir. Et quand je suis arrivé ici, je crois que la première chose qu'on a faite avec Judicaël Regnault, qui est à mes côtés, c'est de se dire, bon, il faut se retrousser les manches et faire absolument passer le projet de modernisation, agrandissement, mise aux normes techniques de tous les espaces de cet institut. Qu'il s'agisse de la bibliothèque, de la médiathèque, comme vous le dites, qu'il s'agisse de la salle, qui est difficilement praticable à certaines saisons, sauf pour les amateurs de coléoptères, qui demande aussi du travail pour la régie, mais ça peut aussi engendrer des nouveaux métiers, des nouvelles techniques, de façon à ce que, tant pour le respect des lecteurs, le respect des musiciens, des artistes, des interprètes, le respect du public également, on puisse continuer à faire de cet institut ce creuset, appelons-le ainsi, ce lieu de rencontre, ce lieu recueil aussi par rapport aux ouvrages, et peut-être aussi de recueillement, que vous avez connu. C'est vrai qu'en plus, N'Djamena ne fourmille pas de lieux de cette sorte. On peut le déplorer. Je pense aussi que l'avenir de la ville de N'Djamena et tout ce qui concerne la jeunesse de N'Djamena, mais pas que la jeunesse aussi, parce que vous parliez de Tintin, allez, on va dire de 7 à 77 ans, a aussi besoin d'autres lieux. Ça commence à venir, mais des endroits comme Wenak Labs ou autres, par exemple, d'ailleurs, il faut les trouver, et on sent bien que ce sont des endroits qui se sont développés comme on peut, un peu à la va comme je te pousse, dans des lieux qui ne sont pas nécessairement faits pour ça. Mais je dirais, essayer de repousser les murs, essayer de pousser les idées vers le haut, c'est tout aussi, je dirais, le mérite de ceux qui les dirigent. Tout ça pour dire qu'on est à la veille, dans quelques mois, ça va commencer, je pense, cet été, des premiers travaux de transformation de cet institut. Donc, profitez bien de ces dernières impressions de hangar digne de l'époque de l'aéropostale, parce que c'est un peu la forme du bâtiment quand vous le voyez de l'extérieur. Pour certains, ça peut avoir un charme, mais je pense que c'est surtout de l'intérieur qu'il faut qu'on arrive à montrer aussi la considération que nous avons pour ce pays qu'est le Tchad, pour sa jeunesse, pour ses artistes. Et ça, je le dis très fort. Donc voilà ce qui va changer, ce qui va bouger, et notamment avec Pierre-Hubert Touchard, venu du Maroc, quelqu'un qui a en plus, si j'ose dire, une vraie maîtrise dans les métiers de la médiathèque. Donc je ne vous dis pas rendez-vous dans 2 ans, 2 ans et demi. Continuez à être avec nous, un pied à Nantes, un pied à N'Djamena, et on sera toujours là, ensemble, pour marcher dans la même direction. Merci. J'ai tellement entendu parler de vous, je suis resté par peut-être simple curiosité parce que Bona il parle de vous et Nemrod on entend toujours tout le temps parler. Et je suis resté juste par curiosité. Ce que je viens de vivre là, c'est énorme pour moi. Et ce que je veux suggérer peut-être au directeur de l'institut ou bien même à l'ambassadeur qui est aussi que vous avez salué tout à l'heure parce qu'il vous a permis aussi d'être là. Pour nous autres, par exemple, qui en ce moment on va dans les provinces, on essaie de rencontrer des jeunes pour essayer de dire, voilà, il y a un autre chat qui est possible, tant. Aujourd'hui, on a laissé la politique à définir l'art pour les gens. Et on ne s'en sort pas beaucoup. On se dit, c'est vrai, il est difficile de changer le Tchad, donc on décide juste de changer nos vies au Tchad, mais c'est compliqué.
Parce qu'on laisse, ils ont laissé définir. Et quand je vous ai écouté, je me dis, est-ce que ça ne serait pas possible encore de vous permettre d'aller aussi à Abéché ou dans les autres villes? Je ne demande que ça. Simplement, tous les politiques se cachent. Je ne demande que ça pour la simple raison, je ne sais pas, c'était aujourd'hui même, je crois, un autre atelier d'écriture où je me trompe des lieux. Comme j'ai beaucoup de chaleur dans la tête, je n'ai pas beaucoup d'ordre. Un premier ministre français m'a reçu officiellement. J'ai failli tomber par terre. Un autre ministre français m'a reçu officiellement. Et il sait pourtant que je n'ai pas de passeport français. Je ne connais aucun ministre, Tchadien. Si je connais Michel, c'est parce qu'on est des parents, c'est tout. Mais je vais vous donner de l'espoir. Un petit pays comme Haïti. Vous avez vu le rayonnement des écrivains et artistes à Haïti? Ils ont construit ça il y a à peu près 60 ans, pour les débuts. Comme ils se sont rendus compte que les politiques ne s'occupent pas d'eux, les artistes peintres se sont formés en association et amicales, en fondant des maisons d'artistes, donnant aux artistes des lieux où ils peuvent peindre. Les écrivains ont fait pareil. Et depuis, c'est les politiques qui leur courent derrière. Voilà l'une des suggestions que je peux vous faire. Et je viendrai volontiers à votre invitation. Merci beaucoup. Nous vous remercions donc infiniment. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le directeur de l'IFT. Merci à tous les invités d'être venus. Nous sommes vraiment abreuvés à cette source inépuisable. Je crois qu'il sera encore là. Nous allons continuer par d'autres activités. Donc, ce n'est pas fini. Merci à l'IFT donc, qui nous a reçus ici. Nous aimerions bien entendu nous arrêter ici. Merci à tous. Merci à vous. Merci.